Et bonjour la team, on est parti pour une séance de je veux suer, plutôt axée renfo, avec pas mal de mouvements pluriarticulaires, c'est-à-dire que vous allez avoir et les bras et les jambes qui vont travailler en même temps, ce qui va faire pulser le cardio. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je rajoute des charges. Pour ceux qui sont équipés, celles et ceux qui sont équipés, si vous avez un poids, c'est déjà bien. Si en plus vous avez deux haltères, c'est bien aussi. Et si vous n'avez rien de tout ça, il vous faudra au moins un sac chargé, donc type sac à dos avec la petite poignée là par-dessus ou un sac à main. Et dedans, vous y mettez des bouquins pour caler, ça fasse entre 5 et 10 kilos. Vous verrez après, vous pourrez ouvrir, enlever si c'est jamais c'est trop lourd. En gros, le mouvement, ça sera surtout pour faire ce mouvement-là de balancier. Et si vous avez ça, voilà, ça va vous servir surtout pour ce mouvement-là. Et pour le reste, ça ne sera pas forcément nécessaire. Donc, je vous laisse mettre pause et aller chercher de quoi vous équiper. Et sinon, on est parti. Donc, le cours, il va se décomposer en trois parties. Un échauffement, un finisher et au milieu de tout ça, trois blocs de travail. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les minutes de chaque temps de l'échauffement, de chaque bloc et du finisher, parce que aujourd'hui peut-être que vous ne pourrez pas faire les trois blocs, ça sera peut-être trop intense, ou peut-être que vous n'aurez pas le temps, et dans ce cas-là, vous pourrez noter en commentaire jusqu'où vous êtes arrivé à la date d'aujourd'hui, et puis la fois d'après, vous ferez peut-être un petit peu plus. Si vous pouvez tout faire, ça fera à peu près 40 à 45 minutes. Donc on est parti pour l'échauffement, on n'a pas besoin de matériel pour ça, juste le tapis. Amusez-vous bien. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Deuxième mouvement, la planche. Round 2. Contrôlez s'il vous plaît de ne pas pointer vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tapez Paul. Et on fait ça doucement. Si c'est trop dur sur les pieds, on pose les genoux. Pareil, on fait attention de ne pas avoir les fesses derrière. On essaie de ne pas trop rouler avec les fesses et de rester stable dans le sol. Encore deux fois ce qu'on vient de faire. On peut chanter. Go!
tout. Allez, go! Faites l'effort de lever les pieds, je sais que c'est pas facile. Hein. Allez, on tape, on tape, on tape. Trois blocs d'entraînement, donc pour chaque bloc fait 8 minutes, peut-être que vous n'en ferez qu'un, que deux, et peut-être les trois. On va alterner les mouvements pluriarticulaires avec du centre du corps. Donc le focus il va être pas mal. Donc là vous avez besoin de votre sac plein, et peut-être si vous avez vos haltères, mais et dans l'idéal le kettlebell. Si un jour vous voulez refaire cette séance avec les charges, tout ça, ça se trouve à Decat, autour de 20-30 €, si vous voulez compléter vos séances. On est parti. Le premier mouvement, je vais le décortiquer en dehors du chrono. C'est Devil Press. Devil, ça veut dire l'enfer. Donc, vous avez compris le délire de l'exercice. C'est un burpees avec halter. Donc, si vous n'avez pas d'halter, vous faites un burpees. Je rappelle, le burpees, c'est squat. Là, je le décompose. Planche. On peut rester en planche ou alors on peut venir chercher au sol, se redresser, ramener en squat, soit en marchant, soit en sautant, et presse. Donc sans les haltères, c'est tout pareil, sauf que vous tapez au-dessus de la tête, sans les haltères dans les mains. Et la suite, ça viendra tout seul. On est parti pour le premier bloc, 40 secondes de travail, 15 secondes de récupération à chaque fois. Je lance le chrono, c'est parti pour le Devil Press. Donc le squat, on descend, on remonte, on peut poser les genoux, ramène les pieds et presse. On y met le rythme qu'on veut pour que ce soit efficace. Je rappelle, si on n'a pas de matériel, on pose les mains, soit on reste en planche, soit on descend jusqu'au sol. On essaye de sauter, sinon on marche pour revenir et taper au-dessus de la tête. Chacun à son niveau, chacun son option. Top! La suite, c'est le centre du corps, gainage. 40 secondes sur les coudes. Les genoux peuvent être loin, on reste ici. Ou alors sur les pieds. C'est parti pour 40. Repoussez le sol avec vos coudes. Poussez dans les talons pour être solide dans votre planche. Si ça devient trop long, vous posez les genoux au sol, ok, mais vous essayez de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Top. Parfait. C'est le moment où vous pouvez prendre votre sac à dos ou un kettle pour faire du kettle swing. C'est un squat large et on vient balancer en arrière puis chercher vers le haut. Donc avec le sac, vous ne pourrez pas venir jusqu'en haut forcément, hein, au-dessus de la tête. Mais vous pouvez rester devant vos yeux et vous balancez le sac ici, de l'avant vers l'arrière, en poussant bien les fesses derrière, avec un dos long. Les kettlebells, on peut aller jusqu'au ciel et on cherche à pousser la kettlebell haut pour engager les abdos. You could do when you're feeling like you're falling, that you can't find nothing to hold on to.
3 secondes. Top. Bien. Gainage à nouveau. Donc, si vous êtes sur les genoux, attention de ne pas avoir les fesses en l'air. Vous êtes bien gainé. Ça va être un pulse où on remonte à moitié, un saut. Ok? Donc un pulse, un saut. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites sur pointe. Tac. Un pulse, pointe. Pulse, pointe. Ou pulse, saut. Pour booster le cardio, on tient les 40 secondes. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment l'efficacité sur les 3 tours. Hein. Si vous faites les 3, et si ça brûle déjà au premier, c'est que c'est pas encore le bon moment pour faire les 3. Dernière fois pour le gainage. En place. Et c'est parti. Soit sur les pieds, soit sur les genoux et on essaie de tenir les 40 secondes. Parfait. Dernier exercice, on va avoir un pied fixe et une jambe derrière qui va avancer et reculer. Donc j'ai un pied qui va devant, puis derrière. Faites un grand pas pour avoir un angle droit devant, un grand pas pour avoir un angle droit derrière. Et on va rajouter ici de la boxe et je recule, boxe. Allez. Vous faites autant que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez quand vous avancez, quand vous reculez, si vous voulez vous me suivez. Et ça va brûler dans la cuisse. Deux. Un. Et on va changer de jambe. Prête? Angle droit derrière, angle droit devant, et quand vous avez vos repères, on rajoute la botte, vous y restez le temps que vous voulez, ça fait travailler vos abdos et le dos. Là, on sent le cardio, hein, pluriarticulaire, on va dire. Oui. Un tour de fait. On prend 30 secondes pour souffler. Et on retourne sur le deuxième tour. Et sur chaque exercice, je vais peut-être rajouter des petites variantes. Faites
peut-être, c'est sûr. Je vous montre de suite sur le Devil Press. Ceux qui sont sans matériel, vous allez me rajouter, tapez Paul et remontez. Ceux qui ont les haltères, vous allez me rajouter tirage et remontez. Prêt? Et c'est parti! Avec haltère, on tire, sans haltère, on tape et on y retourne. Et là, on a tout le corps qui travaille pour le rendre intelligent. Essayez d'accélérer le mouvement pour que ce soit quand même un peu difficile. 8 secondes. Ok. On va remplacer le gainage. Centre du corps. On va passer au sit-up. Les jambes en papillon. Contrôlez descente. Plaquez le bas du dos. Amenez les bras le long des oreilles et remontez. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous vous arrêtez avant et vous faites que ça. Si vous pouvez descendre, allez-y. Et ici, on s'étire pour engager le sang. Kettle swing avec le sac ou la kettle. Pas de modification pour ce mouvement. Ouais. Les sacs, vous venez que devant vos yeux. Les kettles peuvent aller jusqu'en haut. Quand vous descendez, pensez à bien serrer bas ventre. Et quand vous montez, contractez fessiers. On étire vers le ciel pour les kettles. Bravo! On retrouve les sit-up. Donc pour rappel, hein, pied collé, genou ouvert, soit on s'arrête à mi-chemin, et c'est déjà très bien, soit on descend jusqu'en bas. Quand on l'a, on met du rythme. Come back.
retrouve le sit-up, dernière fois. Quand vous êtes en bas, hein, faites l'effort de serrer fort, de pousser le dos dans le sol pour éviter que ça cambre. On passe aux fentes, coup de poing. Et si vous voulez travailler plus et que vous avez des haltères, vous pouvez faire avec les poids, ça va être sympa. Donc un grand pas derrière. On avance et on recule. Et on peut rajouter les poings, quelle idée! C'est intéressant. Allez. Ceux qui n'ont pas de poids, hein, vous me le faites ça vite, hein. Ça pique. Ok. Deuxième tour, hein. Si c'est un peu lourd, vous posez les poids et vous revenez avec de la vitesse. On change de jambe. Allez, go. On fléchit. Les coups de poing. Vite ou lent. Dans tous les cas, on active le cœur. Allez, 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 allez. Si vous avez les haltères, faites l'effort de rester au niveau de la poitrine. J'ai pas le chrono, il est dans mon dos. 4, 3, 2. Bravo. Buvez un coup. Allez, encore quelques secondes de récup. Et on enchaîne avec le dernier tour. Courage. Préparez vos haltères. Rappelez-vous, vous avez la possibilité de soit de vous allonger, soit de faire les tirages ou les tapes. Prêt ? C'est parti ! Go ! Allez, demi presse. Soit au sol, soit avec les tirages des tapes. Bien. Abdos. Comme tout à l'heure, gainage, sit-up, on change d'exercice. Cette fois-ci, allongé sur le dos. Jambes tendues ou semi-tendues. Et on va venir décoller les fesses de droite à gauche. Soit lentement, soit rapidement. Faites du mieux que vous pouvez. Si ça passe que par série de 4, vous faites 4. Et vous reposez. Et puis un jour, vous ferez les 40 secondes sans poser. Et alors, ce jour-là, il faudra m'écrire. Allez, accrochez-vous. 13 secondes, ça va aller chercher le bas de vos abdos. On a le périnée qui est forcément engagé avec le transverse. Et on a aussi les muscles de la taille.
3, 2, 1, stop. Kettle swing. Allez, c'est le dernier tour. Plus que 7 minutes, même pas 6. Appui large. Let's go. Soyez fiers de bouger, de prendre soin de vous. Bravo, twist au bassin, on y retourne, on pose tout, et c'est parti, on twist, par série de 2, 4, 6, ou sans s'arrêter. Avec ou sans charge, ça c'est vous qui décidez. Pied largeur de bassin. Si vous avez la charge, à la poitrine. Pulse, squat. Pensez à oxygéner là. Votre corps il a besoin de vous pour ramener de l'oxygène et beaucoup de force et de courage. Vous savez qu'à la fin, vous serez fiers de vous. Ne pensez qu'à ça. Cette fierté à la fin. Allez. Ok. Dernière fois pour le sit-up. Le twist, pardon. Je suis fatiguée. C'est parti. Allez, dernière fois. Avec ou sans haltères, moi je préfère mettre de la vitesse pour les derniers tours. Les haltères c'était un peu lourd, on va l'avouer. Fléchis derrière, box et devant. On peut les compter si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jambes.
réfléchis derrière. C'est parti. Allez, 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 c'est la fin. Bravo! Relâchez! Bien! Si vous êtes arrivé au bout de vos 1, 2 ou 3 tours, vous avez envie d'un finisher si vous êtes là avec moi pour terminer. Même si on sent qu'on est fatigué, qu'on ne peut plus, eh bien vous allez essayer. On va y aller ensemble. 4 minutes. On va faire 8 fois 20 secondes et c'est terminé. Alternance cuisse, bras. Ok? On garde l'objectif pluriarticulaire. C'est parti pour 4 minutes. Premier objectif, fin de sauter. Soit je change devant, soit je saute. Donc vous pouvez commencer par les sauts et quand ça va plus, passer sur les changements ou l'inverse. Parfait. Et de 1. Le deuxième, c'est celui qu'on a fait à l'échauffement. Planche. Tac. 20 secondes. On n'est pas obligé de faire vite. Priorisez la stabilité. Les pieds sont largeur de tapis pour être stable. Et on prend le temps de taper, toucher l'épaule. Ok. Deuxième tour. Allez. Soit sauter, soit changer de banc. C'est pas fait pour être facile, hein. Qu'on soit avancé ou débutant, ça va être dur. La seule différence, c'est que les avancés connaissent cette sensation et savent combien de temps ils peuvent tenir en étant dans le dur. Quand on découvre ça, ça peut faire peur et du coup, on a tendance à s'arrêter avant. Et si vous vous arrêtez avant, c'est pas que vous êtes nul, c'est que vous découvrez la sensation. Troisième tour. Allez, dites-vous que c'est facile. Dites-vous que vous êtes léger, légère. Tapez Paul. 3 fois 20 secondes et c'est fini. Allez, go. Je peux vous assurer que c'est pas facile pour moi. Je garde la face à la caméra. Ok. Dernière fois pour les femmes sauter. Et vous aurez terminé. Allez, allez, allez.
10 secondes. 4, 3, 2, 3, 2, 1, go. Et stop. Respirez. Bravo. Calmez le cœur. Posez la tête. Et relâchez. Vous pouvez être fiers de vous. On calme le cœur. Dans cette posture, passez un bras en aiguille, les fesses relevées et restez là. Là, on détend juste, on n'étire pas, juste pour faire descendre le cœur avant d'aller à la douche. Vous pouvez changer de bras, garder les fesses décollées. Et restez là. Ok. Passez en posture accroupie. Soit complètement posé sur vos cuisses, si ce n'est pas agréable pour vous, coude au genou pour relâcher la tête. Vous tendez les jambes, gardez la tête relâchée, bras relâchés. On n'étire pas intensément, là on fait que détendre. Vos muscles sont encore chauds. Privilégiez un yin yoga, si vous pouvez, un autre jour après vos séances de sport. Déroulez vertèbre après vertèbre. Redressez, attrapez les mains dans le dos. Et relâchez. Pardon. Eh bien, je paierai. Félicitations. Bravo pour cette séance. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire pour vous-même ce que vous avez réussi à faire, les options que vous avez utilisées. Ça vous sert de référence le jour où vous voulez refaire cette séance pour voir vos progrès. C'est très important. Ça entretient votre motivation, la régularité et l'atteinte de vos objectifs. Encore bravo. Je vous embrasse et bonne journée.